Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Poissons et Ascendant Poissons pour la semaine du 7 mars 2022. Alors, souvenez-vous, en fait, on avait donc décidé de faire pour un mois, et certains d'entre vous m'ont fait la remarque en fait que c'était aussi un peu plus simple de faire le récap semaine par semaine. Donc le voilà. Alors, justement, si on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, au niveau affectif, pour vous, Poissons, cette semaine du 7 mars, là, tout le domaine affectif sera sous le domaine de la tempérance, c'est-à-dire sous la protection, sous une grande protection, une protection comme céleste, voilà, une protection des étoiles, comme vous voulez. Donc, globalement, vos rapports seront équilibrés. Il y aura une notion aussi importante de guérison pour ceux qui éventuellement sont malades à l'heure actuelle. Donc, quelque chose de très porteur et très positif. Maintenant, si on regarde le domaine, on va dire financier, donc là, l'ermite, c'est le domaine professionnel et l'empereur, c'est l'atout. Alors, le domaine, d'ailleurs, excusez-moi, il y avait juste une petite inversion. C'était d'abord dans le domaine financier, l'ermite, et ensuite l'impératrice. Alors, le domaine financier, l'ermite. Je vous l'avais dit, en fait, les dépenses sont un peu en berne. Vous avez en fait peut-être fait beaucoup d'excès. Et là, donc, attention, il faut en fait que vous limitiez pas mal vos dépenses cette semaine. Donc, maintenant que vous êtes prévenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, j'ai envie de dire. Donc, ça devrait bien se passer. Maintenant, au niveau professionnel, on est sur l'impératrice. L'impératrice, vous le savez, c'est vraiment la communicante par excellence. Donc, vous réglerez certainement pas mal de projets et certains conflits au travail en liaison avec la communication. Donc, n'hésitez pas à argumenter, n'hésitez pas en fait à plaider votre cause parce que tout simplement, vous avez quand même en plus un charme naturel assez important cette semaine. Et évidemment, cela va beaucoup vous aider à régler les conflits, notamment au niveau professionnel. L'empereur et l'impératrice, c'est un peu l'empereur, donc c'est notre atout ici, va un petit peu aussi conforter dans le fait que tout se règle à coup tout simplement de communication. Et donc l'empereur indique aussi éventuellement pour vous un projet de grande envergure. Donc vous aurez éventuellement la possibilité de travailler sur un projet qui à long terme pourra être extrêmement intéressant et bénéfique pour vous. Voilà, donc ça vous parlera à mon avis quand vous serez dans le feu de l'action. N'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous s'il y a la moindre question. Je vous souhaite en tout cas en attendant une excellente semaine et vous dis à très bientôt.